23 ans, 1m96, Valentin Bigot est la nouvelle arme offensive de l'Hermine de Nantes. 16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives par match. Passé par Gravelines, Boulogne-sur-Mer et Denain, il était la saison passée à Nancy en Pro A, mais ne jouait que 6 petites minutes par match. À Nantes, Valentin retrouve du temps de jeu et la confiance. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. C'est vrai que moi, j'étais venu dans l'optique d'avoir des responsabilités, donc c'est ce que j'ai depuis le début. L'année dernière, j'étais à Nancy, même si je ne jouais pas beaucoup, c'était en proie, donc ça m'a aussi beaucoup servi. Donc c'est surtout voilà, ça, un club avec des ambitions et un coach qui me fasse vraiment confiance, c'était ça que je recherchais. Ouais. C'est un joueur très offensif, hein, Valentin, qui est capable de se créer son shoot, qui est capable de, à la fois par le drive ou par le shoot extérieur, d'être dangereux, donc c'est toujours un danger pour l'équipe adverse. Très adroit à 3 points et au lancer franc, Valentin Bigot garde une bonne marge de progression, notamment en défense. Ses qualités devraient lui permettre de s'imposer durablement à l'Hermine et pourquoi pas retrouver rapidement la Pro A. Il y a encore des marges de progression sur pas mal de domaines, mais déjà dans l'attitude, déjà dans cette mentalité à venir tôt, à travailler énormément, déjà pour par rapport à ça, il a déjà une bonne marge d'avance. Tout joueur veut vraiment aller en Pro A, donc oui, forcément, c'est un objectif pour tout le monde. Mais après, il ne faut pas brûler les étapes. Le club a grandi, c'est vrai, mais il reste encore du chemin. Cette année, on a l'ambition déjà d'aller en play-off et après, on verra par la suite. Ouais. Les Nantais sont actuellement 6e du championnat de France de Pro B. Prochain match, samedi, à Boulogne-sur-Mer.